Avant d'être le Premier ministre de la France, Jean Castex est un mari et un père de famille. Si depuis plus d'un an, il ne peut plus leur consacrer autant de temps qu'avant, il tente au maximum de ne pas louper les moments importants. Seulement, samedi 4 septembre 2021, alors qu'il était présent sur le plateau d'On est en direct, Léa Salamé, qui co-présente l'émission avec Laurent Ruquier, a assuré que le bras droit d'Emmanuel Macron n'avait pas hésité à louper un anniversaire important pour être présent. Vous devriez dire bon anniversaire à sa femme parce qu'il a séché l'anniversaire de sa femme ce soir pour être avec vous, a lancé Léa Salamé à Laurent Ruquier. On lui souhaite un bon anniversaire à votre épouse, s'est empressé de déclarer le célèbre animateur avec que Jean Castex ne saute sur l'occasion pour avoir une délicate attention envers celle qui partage sa vie. Moi aussi je lui souhaite. Il est minuit passé là non? Alors bon anniversaire chérie, lui a-t-il lancé avant de lui assurer qu'il arrivait dans très peu de temps. Une pensée qui a dû toucher le cœur de la mère de ses enfants. Merci Monsieur Castex d'avoir béni notre mariage. D'avoir été le témoin de notre union, a de son côté confié Laurent Ruquier en évoquant le couple qu'il forme, à la télévision, avec Léa Salamé. Jean Castex avait hâte de retrouver sa femme avant d'évoquer son épouse. Jean Castex avait bien évidemment été interrogé sur la défiance de certains Français face au vaccin contre la Covid-19 ou le pass sanitaire. On a parfaitement le droit de manifester. On a parfaitement le droit d'être contre le vaccin ou contre le pass sanitaire. On est en République, on est en démocratie, a d'ailleurs répondu le Premier ministre avant de rappeler, tout de même, que c'était la seule solution pour se protéger face à ce virus.